Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de MyNFT où je transforme votre photo en illustration NFT et l'imprime sur un t-shirt. Avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont pu participer au tirage au sort. Merci à vous pour votre soutien, cela me fait énormément plaisir. Si vous souhaitez envoyer votre photo pour le prochain épisode, n'hésitez pas, faites-la parvenir à l'adresse runscope@gmail.com. Le lien de l'adresse sera bien sûr dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la transformation. Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi la photo de Chris qu'il m'a envoyée sur mon adresse. Merci à toi pour ta participation. Je vous mets en lien dans la description son compte Instagram. Il a également un compte professionnel spécialisé dans la réalisation de vidéos et de prises de vue en drone. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à son compte Instagram. Ça fait toujours plaisir. Pour la transformation de cette photo en illustration, j'utilise le logiciel Adobe Draw sur tablette, qui est vraiment très intuitif et bien entendu un logiciel vectoriel, tout comme Adobe Illustrator. En premier lieu, j'ai l'habitude de commencer par réaliser le tracé de toutes les formes afin de surligner les lignes importantes de l'image, ce qui me servira aussi de délimitation pour ensuite ajouter les aplats de couleurs. Et une fois ce travail terminé, j'aime rajouter des coins arrondis pour chaque intersection de tracé afin d'avoir des lignes beaucoup plus harmonieuses entre elles. Alors certes, cette partie de redéfinition prend un certain moment pour n'en oublier aucune, mais le rendu vraiment en vaut la peine. Dès que j'ai fini cette étape, je passe à la colorisation en posant mes couleurs principales pour chaque élément de la photo. Alors je ne prête pas forcément attention à la couleur exacte que je vais choisir, car elle sera modifiée par la suite sur mon ordinateur afin de procéder au dernier réglage de la colorisation, ainsi que du choix de la palette graphique. Après avoir posé les couleurs principales, je vais définir les ombres en assombrissant mes couleurs principales pour chaque élément bien entendu, et j'ai pour habitude de faire deux calques d'ombre, en commençant par le premier qui contient les parties les plus sombres de la zone qui sera travaillée, pour ensuite rajouter un calque en dessous d'ombre plus claire que la précédente. Je fais ce processus pour chaque élément de l'illustration, donc là pour cette photo ce sera le visage, les cheveux ainsi que le t-shirt. Et sur cette photo j'ai dû assez souvent rajouter des détails par moi-même, car il manquait des contrastes et des détails sur la photo pour ne pas avoir besoin de les créer. Car c'est vrai que quand j'ai une photo qui a une énorme résolution, je suis capable de travailler d'autant plus près les détails sans perdre de qualité sur la photo quand je la zoome. Et ce qui rend l'illustration vraiment beaucoup plus détaillée lorsqu'on zoome dessus, mais à la fois très épurée lorsqu'on la regarde en entier. Et quand tout le process des ombres est terminé, je masque tous les calques et les reprends tous un par un afin de les retravailler individuellement. Donc cela me permet de revoir les défauts et ensuite de pouvoir les corriger. Et j'en profite également pour arrondir toutes les intersections comme sur les tracés noirs du début. Et lorsque j'ai fini mon travail sur la tablette, j'exporte mon illustration vers Illustrator qui est sur mon ordinateur afin de procéder aux dernières modifications qui concernent principalement, comme je l'avais dit, la palette de couleurs afin de trouver les couleurs qui iront bien pour cette illustration. Et par ailleurs, j'utilise le site colors.com qui permet de choisir des palettes de couleurs et vous pouvez vraiment faire des combinaisons infinies tout en respectant les principes fondamentaux de la couleur comme par exemple la complémentarité, etc. Donc vraiment, si vous n'arrivez pas à choisir vos couleurs et que vous avez du mal à trouver des couleurs complémentaires ou des couleurs qui vont bien ensemble sans qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre, vraiment je vous recommande ce site, vous allez gagner un temps fou. Et voilà, il ne restera plus qu'à la présenter en tant qu'NFT et nous aurons notre rendu final.
J'espère que cette illustration vous a plu. J'ai pris contact avec Chris pour finaliser la livraison du t-shirt. Il devrait le recevoir normalement dans quelques semaines. Je vous tiendrai au courant, bien entendu, sur mon compte Instagram de tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez participer pour la prochaine, envoyez-moi votre photo à l'adresse runscope@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.